On a une question que m'y pose à moi souvent, c'est au sujet de l'agriculture. Bonjour, bonjour à toutes, un petit maillage. Nous avons l'occasion bien sûr de retrouver Philippe, clé agriculture, générique assez rapide. Hein. Nous l'est aujourd'hui le lundi 13 juillet 2020, un petit point sur l'actualité à La Réunion, dans la zone océan Indien aussi, en France. L'essentiel de l'actualité-là, elle est plutôt consacrée au coronavirus, alors le Covid-19. Alors ce dimanche 12 juillet, hein, hier, la préfecture a confirmé 16 nouveaux cas enregistrés, soit 593 depuis le premier cas le 11 mars 2020. 72% des cas, c'est des cas importés. Hier dimanche 12 juillet était l'anniversaire de la mort d'Alain Peters. Certaines radios et télévisions l'ont rendu à ce grand homme de la chanson réunionnaise un hommage. Le Premier ministre Jean Castex arrive en Guyane ce dimanche 12 juillet. Le nouveau chef du gouvernement, il porte un patronyme là-bas d'un certain Louis Castex. C'est peut-être pour ça aussi que son premier visite à la tête du gouvernement, elle a été orientée vers la Guyane. Alors, ce patronyme-là, il était un commerçant qui appelait Louis Castex, que l'a prospéré à Cayenne, là-bas en Guyane, au début du XXe siècle, qu'il a été probablement muté là-bas et l'a fait fortune d'un établissement qui porte son nom en Guyane. Jean Castex arrive aussi avec là-bas un tacon promesse si l'économie, la Guyane, par exemple, l'Ilani, pour son première visite dans ce département, où ça n'a pas à faire encore pouffer. L'état d'urgence sanitaire a été levé un peu partout en France. Certaines affaires ont été mises en place et pour continuer à limiter la propagation du coronavirus à La Réunion, n'aura plus de quarantaine, mais une septaine. Et les voyageurs devront, pendant l'état d'urgence sanitaire, avant de prendre l'avion, passer à la septaine et un nouveau test sera réorganisé à la fin. L'état d'urgence sanitaire, les tests Covid-19, il revient obligatoire à partir du mois de juillet, selon l'arrêté par le gouvernement, mais le préfet de La Réunion l'a décidé autrement et faire appel au civisme. Le préfet de La Réunion lui-même l'a exprimé suite à la publication de différentes mesures qui ont été prises par l'État. Il demande aux citoyens de faire preuve de prudence, toujours avec le coronavirus, parce que c'est l'essentiel de l'actualité. Alors le coronavirus, il apporte son lot de problèmes avec, hein, comme par exemple la pollution des masques, les faits à base de plastique et que les jeter un peu partout dans les fleuves en France. Et il devient un gros problème vu que ces masques-là, en règle générale, les fait avec du plastique. Il faut à peu près, d'après les scientifiques, pour que la nature y absorbe tout ça, 450 ans, donc encore une affaire, il va accentuer le problème de pollution à travers le monde, mais parle en Europe, mais aussi aux États-Unis. Le président de la CIR, Ibrahim Patel, y cause sans nous sur la relance économique de La Réunion. Nous écoute le reportage tout de suite. Oui, aujourd'hui on a présenté effectivement un plan de relance en 3-4 points. 3-4 points pourquoi ? Parce qu'on aurait pu faire un catalogue, mais ça sert à strictement rien et le gouvernement n'aurait pas compris. Les 3 points c'est quoi ? Un, c'est aujourd'hui à un moment donné on dit stop, donc au tout béton. Donc en périphérie, donc on arrête avec les mètres carrés. Deux, créer une zone franche globale et non une zone franche globale par activité. La zone franche globale aura le mérite d'inclure l'ensemble des entreprises. Et trois, la mesure effectivement de relancer l'activité par la mesure de l'emploi par rapport au taux de chômage à La Réunion. Sur le premier point, je dis qu'aujourd'hui, 179 000 mètres carrés ont été aujourd'hui autorisés à La Réunion de 2016 à 2019, ce qui est énorme. Il reste 93 500 mètres carrés aujourd'hui qui ne sont pas sortis de terre. 77 000 aujourd'hui sont sortis de terre ou sont en passe d'être inaugurés. Il reste quand même 93 000 mètres carrés
aujourd'hui, effectivement, qui attendent d'être sortis de terre. Et c'est énorme. C'est énorme parce que l'étude de l'Observatoire du territoire, le cabinet d'études qui a fait effectivement cette étude-là, dit clairement qu'un emploi créé en périphérie, c'est 3 emplois effectivement de perdus effectivement dans les petits commerces des hauts et des bas. Et ça revient à dire que le chômage n'a jamais baissé à La Réunion. Le chômage n'a jamais baissé à La Réunion. Pourquoi ? Parce que quand on crée d'un côté, on détruit de l'autre côté. Et là aussi, ça en va de la responsabilité des maires aujourd'hui, qui souvent acceptent effectivement et donnent son accord aujourd'hui pour ces implantations-là. La deuxième chose, c'est la zone franche globale. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on a créé des périmètres de zone franche globale, on a mis des activités. Ce n'est pas forcément des activités aujourd'hui où on crée de l'emploi. On crée de l'emploi. Alors qu'on propose aujourd'hui de mettre en place une zone franche globale qui concerne l'ensemble des entreprises de moins de 20 salariés et avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Je dirais égal ou inférieur à 10 millions d'euros. Ce qui permettrait 2 choses. Un, est-ce qu'on demande dans cette zone franche globale pour les entreprises, un, qu'on met en place la LUM 3, qu'on efface 50% de la dette sociale et fiscale et qu'on met un échéancier de 7 ans sur effectivement la partie restante. On demande une zone franche globale pendant 10 ans avec une fiscalité effectivement légère, telle que 50% de moins donc sur la fiscalité sociale et fiscale, que pour ceux qui créent une entreprise, puis ils sont exonérés effectivement pendant 24 mois, c'était le cas par le passé, mais ça a été supprimé par la suite, c'était le cas. Et donc, ce qui permettrait aujourd'hui de sauver et de créer de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas seulement sauver l'emploi, il faut aussi sauver et créer de l'emploi. Sauver, c'est stabiliser l'existant et créer effectivement pour aujourd'hui donner la possibilité à nos jeunes, à nos moins jeunes, de se retrouver dans une activité. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'allocation chômage. Nous savons tous qu'à La Réunion, aujourd'hui, il y a 179 000 chômeurs, mais il y a 71 000 chômeurs au Pôle emploi qui souhaitent fortement et ardemment de se retrouver dans une activité, qu'ils puissent être embauchés à nouveau dans une entreprise. D'ailleurs, ces chômeurs-là, ils ne souhaitent pas forcément l'allocation chômage, ils souhaitent plutôt travailler. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, et là, je lance un appel au gouvernement, à non faire baisser le taux de chômage à La Réunion. Pour ceux qui souhaitent vraiment travailler et qui n'ont pas envie effectivement de son allocation chômage, qu'on donne son allocation chômage à l'entreprise. L'entreprise paye la différence pour arriver au salaire. Un, ça fait que cette personne, il y a trois possibilités aujourd'hui très importantes sur ce sujet. Un, on va réinsérer un demandeur d'emploi qui recherche un emploi activement dans le monde de l'entreprise. Deux, on va effectivement faire le sortir du taux de chômage. Trois, on va effectivement augmenter le pouvoir d'achat. Je donne un exemple. Celui qui touche 800 euros et qui va toucher 1300 euros, il a 500 euros de plus dans son porte-monnaie. Donc, il aura 500 euros de plus à dépenser dans les ménages réunionnais. Et donc, ça augmentera le pouvoir d'achat. Quatrièmement, l'entreprise aussi, aujourd'hui, aura quelque part un salarié où il aura une partie, c'est l'État qui finance, une partie que c'est lui qui paye, une partie qui paye. Mais il faut dire que l'entreprise qui va embaucher, qui va recruter effectivement avec ce dispositif-là, imaginons que l'entreprise, il l'a pour 1 an et demi, mais 1 an et demi après, il doit le garder sans les allocations aussi. Donc c'est dans un jeu gagnant-gagnant. L'entreprise l'embauche en prenant son avec l'État qui lui reverse son allocation, et 1 an et demi après que l'allocation, il doit le garder pour le même nombre de temps dans son entreprise aussi. Ce qui permettrait, je dis aujourd'hui, de créer 15 000 emplois supplémentaires à La Réunion. Ça veut dire que sur les 71 000 en recherche active, il y a 15 000 effectivement de moins donc à ce niveau-là. Donc, si le gouvernement aujourd'hui, sur ces 3-4 propositions, fait de La Réunion une terre d'expérimentation, je pense qu'on y gagnera. Les entreprises gagneront. Les salariés qui travaillent seront sécurisés. Ceux qui sont chômeurs trouveront à un moment donné un emploi si l'entreprise aura envie effectivement d'embaucher. Donc tous ces paramètres-là réunis permettra aujourd'hui de sauver l'économie réunionnaise. Le Premier ministre l'a dit hier, la priorité c'est l'emploi. Mais la Chambre de commerce, nous lui proposons justement un certain nombre d'éléments qui permettraient aujourd'hui de sauver l'emploi et de créer l'emploi et de faire redémarrer l'économie réunionnaise. Voilà Ibrahim Patel au micro de Thierry Araï sur la relance économique La Réunion. Il est vrai que notre pays est en difficulté
avec cette crise de coronavirus. Pas rien que la Réunion, un peu partout dans les pays du monde où ça, ce virus-là l'a traversé, l'a fait des dégâts et il continue à faire des dégâts. En ce qui concerne le coronavirus, on a aussi quand même pas mal de mesures ont été prises dans certaines villes, des mesures assez strictes, hein, par exemple comme en Italie, en Lombardie, tout ça, ou en Belgique, où ça, le port du masque est quasiment obligatoire. On peut pas entrer dans un bus sans faire lynch à eau, faire sorte à eau dehors si on met pas justement ce fameux masque là. Et à la Réunion, on a aussi une relâche quand même, puisque la distance de sécurité, c'est une affaire qui est très important, et nous regarde et nous voit que beaucoup de choses, même dans les grandes surfaces, même à la plage, dans les aires de pique-nique, partout dans les grandes surfaces, surtout le port du masque, les distances de sécurité, un peu dommage, les pas respectées, et peut-être tirer un petit peu la sonnette d'alarme là-dessus, parce que les cas à la Réunion, les cas surtout importés, y augmentent au fur et à mesure. Et moi, Maldon Azote, les cas de ce dimanche, mais aujourd'hui, il y aura certainement encore d'autres cas, sera annoncé par l'ARS et la préfecture. Nous reste dans l'actualité locale avec un affaire qui est très important, bien manger. Beaucoup de personnes, ils parlent à nous, manger bio. Alors manger bio ou manger avec l'agriculture raisonnée. Et moi, je suis parti à la rencontre d'un agriculteur dans les hauts de l'Ouest, du côté de la Saline. Et lui, lui parle à nous justement de l'agriculture biologique et aussi de l'agriculture raisonnée. Reportage tout de suite. Alors Philippe, il y a une question que me pose moi souvent, c'est au sujet de l'agriculture biologique. Alors, à quoi ça pense de ça? Parce que vous êtes agriculteur, vous faites beaucoup d'agriculture, et donc, qu'est-ce que pense de ça? Bon, agriculture biologique, d'abord, il faut être isolé. Pour quelqu'un faire du bio, il faut être isolé. Ensuite, bio, ne pas dire sans traitement. C'est traitement autorisé par les AMS. Ouais. Donc, et en fonction des gens, il y en a qui traitent avec les doses conformes, et malheureusement, d'autres qui ont la même âge continuent à traiter, ouais. mais qui vendent sous le nom de bio. Oui. Donc, le prix bio est intéressant pour les agriculteurs, mais pour les consommateurs, c'est pas tout à fait du bio. Oui. Mais quand on parle de bio, là, est-ce qu'on pense qu'à La Réunion, ils gagneraient faire vraiment du vrai bio? Si, dans les hauts. Dans les hauts, pour les forêts, des plates, voilà. Tout, les coins isolés. Oui. Et il faut aussi qu'autour, il y a personne qui traite. Voilà. Parce qu'avec le vent qu'il y a, beaucoup de traitements pour être loin. Oui. Mais par exemple, quand on est agriculteur dans les bas, on fait du bio, et le bouc dans les hauts, il traite son vin de produit, il rentre dans le sol, tout ça, comment se passe? Il n'y a pas de bio. C'est bio de nom. Oui. D'ailleurs, pour avoir le label bio, ouais. Il faut compter au moins 4-5 ans, il y a du contrôle. Oui. Mais malheureusement, il y a beaucoup, je suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas le label bio. Oui. Ils disent bio. Par contre, il faut du raisonné. Ouais. Très raisonné, avec très peu de produits. Ouais. Mais c'est le mot bio même, j'ai bien peur que c'est... L'impossible faire bio. Mais c'est vrai que quand on regarde les abeilles s'abutiner sur les fleurs, les pas bio, tout ça, il revient sur la vôtre. Effectivement. Non, les abeilles, moins, il y a moins de transport. Ouais. Mais c'est le vent. Le vent, c'est le vent. Le vent et l'infiltration au sol. Voilà. Et surtout l'atmosphère avec la pluie qui tombe, qui ramène les produits chimiques, dessus. C'est tout ce qui est nature, la nature qui joue un rôle. Ouais. La pluie, le vent. Et comme il dit, quand on nous dit bio, c'est plutôt pour faire vendre. Faire vendre. Voilà. Et bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une anecdote. Il y a eu un marché de bio de 10 ans, et on a vu le vendeur aller prendre des caisses de salade chez un planteur traditionnel. Voilà. Mais comment il se passe les contrôles? Parce qu'il y en a des gens, ils fionnent un peu avec les contrôles, ils disent, bon, bah, quand il vient contrôler, 2-3 mois à l'avance, ils nettoient, ils mettent propre. Non, moi je ne sais pas exactement avec les produits bio, mais avec les produits, les traitements, il y a un contrôle, mais quand ça coûte très très cher, l'analyse. Directement, sauf en cas de, comment dirais-je,
accident alimentaire. Voilà. Ils vont venir faire le traitement, mais c'est très très rare. C'est très rare qu'ils contrôlent le bio, quoi, en fin de compte. Même le traditionnel, c'est ouais. très rare. Sauf qu'il y a un accident alimentaire. Voilà, si quelqu'un est allergique à tel produit, l'a retrouvé dans son organisme, oui. s'il arrive encore à remonter la trace, oui. peut-être qu'il n'y arrive pas non plus. Hein, parce qu'avec, possible, je ne sais pas. Non. Voilà. Mais c'est complexe. Hein. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'intérêts financiers derrière. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais. Les grosses boîtes derrière qui sont derrière, ouais. bon, pour les mêmes produits, c'est bio, alors que peut-être le même produit. Et la bio, sans bio, on ne peut pas la savoir. Ouais, voilà. Puis aussi, il y a des faux produits. Voilà. Et personne n'y contrôle, parce que les chers, quoi. On contrôle les très, très chers. Difficile. Vous pensez que tous les produits bio que nous n'aillons par bateau, par conteneur, ils arrivent ici, tout ça, n'a pas un doute derrière quelque part? Non, c'est difficile. Bon, moi, je suis sceptique. Hein. Oh. Bon, je sais pas que c'est il n'y a pas de bio. Ouais. Mais faire du bio à La Réunion, c'est difficile. Difficile de faire du bio à La Réunion. Là, sûrement, il y a quelqu'un qui a essayé à la mitaille, mais comme oui. lui et tout le monde était, il a abandonné. Ah oui. Oui. Mais où l'a déjà essayé fait du bio? Non, du raisonné. Raisonné, alors. D'ailleurs, le label, c'est trop compliqué. Il faut les semences spéciales, il faut le terrain spécial. C'est pas évident. Hein. Ah ouais. Mais ici, il y a des gens, ils font quand même du bio? Il y en a qui font. Là, ils font du bio, mais bon. Maintenant, est-ce que les bio ou pas bio? C'est bio 100%, je sais pas. Hein. Ils ne nous connaissent pas. Voilà la suite de l'actualité à La Réunion. L'océan Indien nous va parler de l'île Maurice. Alors l'île Maurice, elle est intéressante sur l'économie mauricienne, hein, des projets de plus de 66 milliards dans le secteur privé, des chantiers sur un banc de chantier depuis le 12 juillet 2020, ben, la mis en place. Pour les entreprises pharmaceutiques, Bana y investit plus de 260 millions de roupies. Étoile à 5 étoiles, 2,5 milliards. Et dans le complexe Jingfei, il y a un immeuble de 15 étages à Triano. Bana y investit quand même dans le tourisme. L'actualité, La Réunion, l'océan Indien et aussi ailleurs dans le monde. Hein, première édition que m'y propose Azote là aujourd'hui l'a fini, mais avant de finir on va faire un petit point quand même sur la météo dans notre pays. La météo, il annonce à nous des températures bas, le plus bas à La Réunion hier soir, elle était à peu près 8 degrés au centre de La Réunion. Sur Saint-Pierre, 19 degrés, il est prévu des températures assez hautes de 24 degrés. Sur Saint-Denis, du soleil et aussi 21 degrés ce matin. Des nuages légers même et du soleil, il est attendu en perspective sur notre pays, La Réunion. Voilà la fin de ce première édition de notre Causer La Réunion, l'émission que Zoti pourra intervenir bientôt en dedans, fait à part à nous de Zot sentiments sur la politique, le social, tout ce que Zoti veut, bien sûr, au numéro de téléphone qui apparaît là-dessus. Merci d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. On y retrouve. Alors Philippe, il y a une question que m'y pose au moins souvent, c'est au sujet de l'agriculture biologique. Alors, à quoi ça pense de ça? Parce que vous êtes agriculteur, vous faites beaucoup d'agriculture, et donc, que ça pense de ça? Bon, agriculture biologique, d'abord, il faut être isolé. Il faut quelqu'un faire du bio.